apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Rien. J'ai trébuché et je suis tombée sur Victor Emmanuel. Oui, elle est tombée. Elle est tombée. Ça va ? Oui. T'es sûr ? Bien. Alors je vous laisse, je m'en vais. Au revoir, cher ami. Au revoir, à bientôt. Pardonnez-moi, mais je suis arrivée en courant et j'ai trébuché. Je suis tombée sur lui et... Il est préférable que tu retournes chez toi, Stella. Mais vous me renvoyez ? Non, non, pas du tout, non. Je veux juste que tu prennes le reste de ton après-midi. Tu reviendras demain. Désolé. Merci, monsieur Barra. Sympathique, cette petite, n'est-ce pas? Et plutôt appétissante, oui. Estrella a de la classe. Je ne sais pas d'où elle peut tenir ça, mais il est clair qu'elle a quelque chose de rare, qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Je vais m'occuper d'elle sans me presser. En ce moment, c'est la phase la plus intéressante, mais bientôt elle me cédera. La petite pêcheuse, tôt ou tard, finira bien par être à moi. Toi, tu n'as vraiment aucun scrupule, hein? Ça te plairait qu'on fasse la même chose à une de tes filles? À une de mes filles? Bien sûr que non. Pour commencer, une Barra Montiel, ça se respecte, figure-toi. Et puis, qui va oser les approcher? Si un type essaie de faire du mal à une de mes filles, je lui mets une balle entre les deux yeux. Dépêche-toi! Mais dépêche-toi, bon sang! Ah! Oh. Cher Victor Emmanuel, je viens vous voir avec mon ami Antoine Ruiz pour que vous fassiez connaissance. Il aimerait beaucoup vous parler. C'est un plaisir, Antoine. Il est partagé, Victor Emmanuel. Ça fait des années qu'on ne vous a pas vu par ici. Oui, 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 c'est vrai. Je reconnais que j'avais un peu oublié le village, mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Asseyons-nous. C'est normal, Antoine. J'étais orphelin et ma tante m'a envoyé étudier à l'étranger. Et bien sûr, j'ai complètement oublié cet endroit. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oui. Vous savez, monsieur Candilis, j'ai beaucoup de respect pour vous, bien que je sache que vous êtes plus jeune que moi. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les pêcheurs du village. Nous nous réjouissons de votre retour. Et je tiens à vous dire que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, je vous remercie, c'est très aimable à vous. Vous savez, en fait, je n'ai besoin de rien du tout. Juste d'un peu de solitude et c'est pour ça que je suis venu ici, pour être tranquille. Bon, ben, eh bien, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Dis-lui, mais dis-le-lui. Non, on va y aller maintenant. Nous allons bien. Ici. Bonne journée, Antoine. Bonne journée à vous, à votre service. Bon, moi je reviens dans un moment si vous n'avez besoin de rien. Hein. Au revoir.
Au revoir, docteur. Au revoir, bonne journée. Au revoir, docteur. Quoi? Tu te souviens pas de moi? Et qui es-tu, toi? Erwan. Erwan, rappelle-toi. Ah, Victor Emmanuel. Ah, Erwan Ascanio. T'as vraiment l'air en forme. Merci, c'est très gentil. Tu aurais dû en parler. Tu aurais dû en parler, Victor Emmanuel. Des intentions malveillantes de cette ordure de Léon Barra-Montiel. Qui veut faire raser le village et s'approprier nos biens, nos maisons et nos terrains. Calme-toi, Manuel Mascarine. Je vais aller parler à l'héritier des Candili, je te le promets, mais calme-toi. Très bien, si tu dis, je te fais confiance. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Depuis qu'on était tout gosse, tu te souviens? Ouais. Je me souviens que tu étais toujours souriant et heureux. Et là, je te sens triste. En fait, je suis un peu déprimé. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour trouver un peu de solitude. Pour oublier. Que se passe-t-il? Oh, ne le prends pas mal, mais je n'ai pas envie de parler de tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, Erwan. Parle-moi de toi. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Moi, ça va bien. Je suis docteur. Ouais. Juste un médecin de campagne, aucun rapport avec ton style de vie, hein. Et tu es marié? Non. Non, pas pour l'instant, mais je suis vraiment très amoureux. Je te la présenterai. Merci, Camille. Ah, ma chérie, si tu savais. Je suis si heureuse, si heureuse. Et pourquoi? Martin est resté à la maison pour demander à Clémentine de l'épouser. Oui, et il affirme qu'ils veulent se marier sans attendre. Aurore, tu ne sais pas à quel point ça me réjouit. Ils sont tellement amoureux, ces deux-là. Et puis, ça m'ennuyait qu'ils se disputent comme ça. Et à propos de disputes, je me suis battue avec la snobinarde. Quoi? Et elle a pris une bonne raclée. Je me fiche de ce que pense ma mère. Et même s'il n'y a pas d'église où l'on puisse se marier tous les deux, tout ça n'a plus aucune importance, tu sais. On se mariera quand on voudra. On se marie même demain, si tu veux, mon amour. Peut-être pas une bonne idée d'être revenu dans ce patelin. Je ferais sans doute mieux de tout vendre et d'aller dans un endroit où je suis sûr que personne ne me connaît. Ouais. C'est ça que je dois faire. Victor Emmanuel. Estrelita. Pourquoi est-ce que je pense autant à Estrella Marina? Pourquoi? Je vais vite signer les papiers de la vente, une bonne fois pour toutes. C'est ce que je vais faire. Je vais vendre tout. Voilà. Qui est là? Que Dieu te garde, mon jeune matelot! Que Dieu te garde! Et vous, qui êtes-vous? Restez où vous êtes! Restez où vous êtes! Mais je voudrais passer, madame. Il faut rester là, n'y allez pas, non, n'y allez pas! Non, non, ne traversez pas la rivière! Ne pardon, traversez mais je pas la rivière! Non, pardon, non, 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 là-bas, il y a la maison madame, du madame, diable! S'il vous plaît, non, madame. N'y allez pas! Madame, ils vont vous faire du mal! Je vous en prie, n'y allez pas! Je vous en prie, c'est dangereux! Il ne faut pas y aller! Martin voudrait que tout s'arrange entre nous. Il voudrait qu'on se marie. Si seulement il savait ce qui m'est arrivé!
Cécilia? Cécilia? Mais où est-elle passée? Elle s'est encore échappée! Oh non, elle s'est encore échappée, Cécilia! Cécilia! N'y allez pas, n'y allez pas. Ne rentrez pas dans la maison où habite le diable. N'y allez pas, je vous assure. Je ne vais pas y aller, madame. Je vous crois, je vous crois. Quoi? Vous n'entendez pas les hurlements du vent? Il hurle 2000 fois dans les feuilles des cocotiers. N'y allez pas. Et la mer grogne. Elle grogne comme un ivrogne. Et elle projette des tas d'emprunts sur les rochers. N'y allez pas. Surtout, n'y allez pas. Je ne vais pas y aller, madame. Pas. Mais je vous en prie, lâchez-moi. Il sort, là. Pendant la nuit. Il sort pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit, je me souviens. Je me souviens que c'est la nuit que les chouettes l'ont recouvert d'un linceul. Cécilia! Cécilia! N'y allez pas. C'est n'y allez pas. Pas sérieux. Non. Tu t'es encore enfui de la maison d'Aurore, enfin. Viens par ici, je vais te ramener, viens. Est-ce que vous connaissez cette femme, Manuel? Oui. C'est une brave fille, elle n'est pas méchante. Non, mais c'est juste que ça fonctionne pas très très bien là-haut, dans la tête, quoi. Elle est un peu ailleurs, quoi. Je m'en suis rendu compte. Elle m'affiche une de ses trouilles. Bon, ben... Oui. J'allais me rendre chez Léon Barra. Mais finalement, je crois que j'irai demain matin. Ah bon? D'accord. Qui va s'occuper de cette pauvre femme? Vous inquiétez pas. Je sais où elle habite. Je vais la ramener chez elle. Viens, Cécilia, viens. Allez, on y va. Allez, viens. Écoutez. Allez, viens, Cécilia, viens, on va rentrer. Allez, viens. Confiance. N'y allez pas dans la maison allez, du diable. N'y allez pas. Ah, je te ramène, allez. N'y allez pas. Madame et tout. N'y allez pas. Docteur Emmanuel, je vous présente mon cher beau-frère, Guilherme, que voici. Moi, j'ai avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de faire des présentations officielles, comme j'aurais dû. C'est fait. Mais je vous en prie, passons à table. Allez, prenez une place. C'est un honneur de vous recevoir dans ma maison. En fait, je me rends compte que vous êtes plutôt un homme silencieux, Victor Emmanuel. On me le dit souvent, oui. C'est vrai, tu t'es battu avec Mademoiselle Oriana? On s'est retrouvées toutes les deux dans l'eau. Et toi, tu es encore là? Elle est tellement fière. Ça m'étonne qu'elle ne t'ait pas renvoyée. C'est parce que son père n'a pas voulu. On a un invité, Charlotte. Rajoute un couvert à table. Très bien, comme vous voudrez, mademoiselle. Hé, la poissonnière, c'est toi qui vas servir le petit-déj. Et pourquoi ça? Je vous signale que je suis secrétaire. Dans cette maison, tu seras ce que j'ai envie que tu sois. Tu vas servir le petit-déjeuner simplement parce que je le dis. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Je suis habituée à faire toutes sortes de travaux. Alors ne croyez pas que je me sentirais humiliée de servir à table. Aucune tâche n'est humiliante. Je n'en doute pas. Dépêche-toi. Ah, Estrella, ça se voit tellement qu'elle a la haine contre toi. Oui, mais cette petite peste ne paie rien pour attendre. Le petit déjeuner va être servi. Rihanna. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais où sont Georges et Elena? Georges est en train d'étudier dans sa chambre. Quant à Elena, c'est une petite nature qui n'est pas encore levée. Monsieur Barra, si vous avez déjà préparé les documents concernant la vente, j'aimerais les lire afin de les signer rapidement et... qu'on en finisse. Oui, bien sûr. Dès que nous aurons terminé le petit déjeuner, je vous les donnerai. Bonjour à tous. Bonjour. Estrella, pourquoi est-ce toi qui nous sers et non Charlotte? Elle a insisté pour le faire, mon oncle. Tu sais bien comment sont ces filles de village. Elles sont faites pour servir et c'est ce qu'elles font de mieux. Sers notre invité, Estrella, s'il te plaît. Oui, monsieur. Mais que se passe-t-il? Tu ne sers vraiment à rien. Tu ne sais rien faire de bien. Mais c'est pas moi. Ça va aller? Oui, je... Allez, dépêche-toi. Tu ramasses tout, tu nettoies et tu reviens nous servir. Oui, c'est vrai, Martin et Clémentine vont se marier. Je suis tellement heureuse pour eux. Ouh là là, Hermine, c'est une super nouvelle, ça. Oui. Ah, t'imagines même pas à quel point ça me fait plaisir. Ah, c'est bizarre, pourtant j'avais entendu dire qu'elle l'avait envoyé balader le Martin et qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de ce gars-là à l'avenir. Bien sûr, mais ça c'était avant, ils se sont réconciliés, j'étais là et j'ai tout vu. C'était tellement romantique. Bonjour à tous. Bonjour.
Hermine, tu aurais de la crème à raser. Hey, laisse-moi voir ça, je crois que docteur, oui. Je suis tellement contente de vous voir. Moi aussi. Est-ce que tu es sourde? Je t'ai dit de débarrasser immédiatement cette table. Vous m'avez fait tomber exprès en me faisant un croche-pied. Ah, j'ai raconté des mensonges. Ce n'est pas en inventant des histoires. Je n'ai rien inventé. Alors, alors, mesdemoiselles, je vous en prie. Que va penser notre invité de votre comportement, hein? Estrella, tu es renvoyée. Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Si vous voulez me renvoyer, ne vous gênez non, pas. Non, non, il n'en est pas question, Estrella. Pas, pourquoi? Ce qui vient de se passer, c'était un accident, chérie. Reste, s'il te plaît. Et c'est Charlotte qui va venir nettoyer tout ça. Et de cette façon, on aura réglé le problème. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi. Elle est folle. Je n'en reviens pas. Aussi folle que cette femme qui déambule dans le village. Hier, justement, je suis tombé sur cette pauvre fille et j'ai tout de suite vu qu'elle n'allait pas bien. Moi aussi, je l'ai vue. C'est un désastre. Si, elle est complètement dérangée. Ce n'est pas très charitable de se moquer comme ça de quelqu'un qui est en souffrance. Mais elle est à mourir de rire, Victor Emmanuel. Des fois, elle se balade pieds nus en faisant de grands gestes. On dirait une âme en peine ou une folle furieuse. Ne vous moquez pas de cette femme. C'est ma mère. Tu vas voir. Tu vas être vraiment magnifique, Cécilia. C'est vrai? Mm-hmm. Oh, je suis tellement contente, tu sais. Bientôt dans cette maison, nous fêterons des noces. Clémentine et Martin se sont enfin réconciliés. Les mariages sont tellement jolis et si émouvants. Cécilia la folle ne s'est jamais mariée. La femme dont vous vous moquez, eh bien, c'est ma mère. Estrellita, je suis vraiment désolé, mais personne ici ne semblait le savoir. Nous n'avions pas l'intention de nous moquer. Retourne en cuisine et dis à Charlotte de venir débarrasser cette table. Désolé pour ce regrettable incident, Victor Emmanuel. Mais avec ces filles de service, il faut s'attendre à tout. Rihanna, pourquoi t'obstines-tu à l'appeler fille de service? Elle n'est pas la secrétaire de ton père? Oh, je t'en prie. Ce titre de secrétaire est un peu ronflant. Eh bien, je n'apprécie pas qu'on puisse traiter des gens avec mépris. Personne n'est supérieur aux autres. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des êtres égaux. Les discriminations raciales ou sociales ne sont que préjugés, vous ne croyez pas? Oui. Bien que ce soit des préjugés, comme vous dites, ils existeront toujours. Pas pour moi, non. Pour moi, si. Et maintenant, si on essayait d'oublier tout ce qui est arrivé, on devrait nous servir le petit déjeuner d'un moment à l'autre. Victor Emmanuel, mon fils Georges, qui aura bientôt sa maîtrise de droit, n'a pas encore rédigé tout à fait les contrats de la vente du village. Mais aussitôt que ces détails seront réglés, nous passerons la signature, d'accord? Très bien, oui. Je viens de décider de vendre aussi rapidement la maison. Sans attendre. Bien. Je veux quitter ce village, ça presse. Ils se sont moqués de ma mère. Jamais personne ne s'est permis de le faire. Charlotte! Je suis dans la lingerie, Estrella. Charlotte, il faut que t'ailles dans le jardin. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Cette peste d'Oriana m'a humiliée devant tout le monde, Charlotte. Et puis après, ils se sont moqués de ma mère. Oh non, mais vraiment, quelle garce cette Oriana! Ne fais pas attention à elle. Faut l'ignorer, Estrella. Bon, je vais revenir tout de suite. Pour le moment, je vais voir ce qu'ils me veulent dans le jardin. Et je reviens pour terminer de repasser la robe d'Oriana. Attends-moi là, j'arrive. Je vais t'aider, Charlotte. Ah oui, mais tu fais attention, hein? On voit que c'est un vêtement très cher. Et de très bonne qualité. Dites-moi, combien est-ce que vous vendez votre maison, Victor Emmanuel? Franchement, je n'en sais rien. Je ne connais pas la valeur des propriétés dans cette zone. Mais je vais vous proposer quelque chose, Monsieur Barra. Et dites-moi. Pourquoi ne me faites-vous pas une proposition? Excusez-moi. Allez-y. Je vous en prie, faites donc. Bonjour, ma tante.
Non, 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 qu'est-ce que tu crois? Tu vas arrêter d'humilier Estrella et d'essayer de la chasser de la maison. Tu as forcément remarqué que Victor Emmanuel n'aime pas les injustices. Ça n'arrange pas vraiment nos affaires de le prendre à rebrousse-poil. Et combien de temps tu crois que je vais la supporter, papa? Arrête, je sais que tu l'as fait tomber. C'est une sans-gêne. Elle s'est permise de mettre mes vêtements et mon maquillage. Et elle m'a fait tomber à l'eau. À quoi tu t'attendais? Tu n'aurais pas dû t'en prendre à elle. Elle aurait dû s'écraser, papa. Elle est inférieure à moi. Tu vas arrêter de t'acharner sur elle. Que ça te plaise ou non, Estrella va rester dans cette maison, car c'est ma secrétaire. Papa s'est entiché de cette paysanne. Mais qui s'imagine pas que je vais supporter son insolence? En fait, dès qu'elle sera passée dans son lit, elle la chassera de la maison. Dis donc, tu as vraiment semé la panique dehors avec ton plateau. Tout est sans dessus-dessous. C'était pas voulu, Charlotte. C'est cette peste d'Oriana qui m'a fait un croche-pied pour me faire tomber. Et m'humilier devant Victor Emmanuel. Qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon. Je suis sûre qu'il te plaît, celui-là. Il faudrait que je sois aveugle pour qu'il ne me plaise pas. Il n'y a vraiment pas à en rougir. Pendant que tu prépares un autre petit déjeuner, je vais ramener la robe dans la chambre d'Oriana. J'ai fini de la repasser. J'espère que tu as fait attention. C'est un tissu très délicat et le modèle a été créé par un couturier hyper branché. Oui, tu t'en doutes, j'ai bien fait attention. J'aimerais bien être là pour voir la tête qu'elle fera.